Un dossier à l'arrêt, celui du prolongement de l'autoroute A12, et un autre qui suit bien son cours, celui de la couverture de la Nationale 10 à Trappes. Il est bel et bien acté et les travaux pourraient même démarrer en 2016. C'est ce qu'a confirmé le maire de la commune, Guy Malandin. Les études techniques sont en cours, les études de sol ont été faites, les problèmes de réseau et tout ça est fait maintenant. On va passer à l'enquête publique et le calendrier de l'État, qui est maître d'ouvrage, est un début de travaux au deuxième semestre 2016. L'enquête publique pourrait se dérouler à la fin de cette année ou en début d'année 2015. C'est le premier projet retenu dans les accords État-Région dans les aménagements routiers d'Île-de-France. Il s'agit de requalifier la Nationale 10 en boulevard urbain et de l'enfouir sur 300 mètres, de créer également deux ronds-points, l'un à l'entrée de la ville au niveau du pavillon bleu et l'autre en sortie près de la station BP. Un plateau urbain sera réalisé devant la mairie pour relier les quartiers entre eux. Chaque jour, 70 000 véhicules empruntent cette nationale. Les premiers plans d'enfouissement de la RN10 datent de 1998.